Alors, parlons maintenant de Trans Mountain, le projet d'oléoduc qui, hier, a fait l'objet d'une décision majeure du gouvernement Trudeau, décision avec incidence financière, décision évidemment avec une énorme incidence politique. Alain Reyes est lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur, député de Richmond-Tabascan. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Vous le demandiez depuis des mois et des années qu'il fallait que ce pipeline soit construit. Vous devriez être content, ça va être fait, M. Trudeau avance? On pourrait penser qu'on est content, mais on n'est pas du tout content, je vous dirais, du moyen que pris le premier ministre. Ça fait un an et demi, il y a eu des motions en chambre, il y a un projet de loi du Sénat qui a été déposé. À chaque fois, le premier ministre a voté contre avec son équipe libérale. Et là, à la dernière minute, dans un ultimatum de la compagnie, il décide de prendre 4,5 milliards, c'est bien ça le chiffre, 4,5 milliards, qui ne créera, c'est important de le dire aux gens, c'est faux ce qu'il dit, qui ne créera en date d'aujourd'hui aucun emploi, parce que c'est juste pour les actifs de ce qui est déjà fait. Donc, le bout de l'éoduc a déjà été fait. Ça n'inclut pas le coût de construction, d'expansion, le matériel, tout ce qui va être généré par les conflits en ce moment en cours qui s'en viennent. Donc, malgré ce qu'essaie de faire croire le premier ministre, le conflit est loin d'être réglé en date d'aujourd'hui. Parce que votre thèse à vous, c'est qu'il s'est lui-même placé dans le cul-de-sac. Tout à fait. C'est qu'en ce moment, la seule solution que le premier ministre a trouvée pour construire cet éléoduc, parce que on va s'entendre sur quelque chose. On est d'accord là de construire cet éléoduc-là. On est conscient qu'on a encore besoin de pétrole. Les gens qui ne croient pas ça, qui pensent que demain matin, si on arrête le transport du pétrole de l'Alberta, de la Saskatchewan et de partout, on va améliorer notre environnement. C'est faux. On a encore besoin. Tous les chiffres le démontrent. Mais entre-temps, on doit le faire sortir. C'est le moyen de transport le plus sécuritaire. Mais en aucun cas, jamais, un premier ministre s'est servi de l'argent des contribuables pour financer une entreprise privée et est devenu propriétaire. Aujourd'hui, c'est pas le pipeline de Kinder Morgan, c'est le pipeline de Justin Trudeau que nous avons. Et c'est lui maintenant qui a la responsabilité avec l'argent des contribuables qui l'a pris, qui l'a investi dans ce projet-là. Ouais. Si vous y croyez au projet, si vous pensez que c'est un bon projet quand même, on investit 4,5 milliards, on va l'améliorer, on va l'élargir, le gouvernement dit « je vais faire les travaux », on devrait être capable, si le projet est bon, on devrait être capable de le revendre puis de ne pas perdre d'argent avec ça, au moins de le revendre en reprenant notre argent, peut-être même avec un petit profit, si le projet est bon. Le premier, ce que vous dites là, on peut avoir cette image-là en premier niveau, mais le premier ministre n'a pas réussi à créer les conditions gagnantes. Il laisse croire aux gens que le gouvernement, qui a déjà de la misère à gérer son propre budget, à gérer son propre travail avec ses fonctionnaires, devient du jour au lendemain un apprenti constructeur d'éléoduc. C'est un peu ça l'image que j'ai. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'un gouvernement aille faire le travail que le privé est capable de faire, que le privé, il y a 6 mois, était prêt à le construire. Tout ce qu'il demandait, c'était du leadership du gouvernement fédéral pour faire respecter les juridictions fédérales dans ce cas-ci. Il était prêt à le construire. Kinder Morgan n'a jamais demandé d'argent et n'a jamais demandé personnellement à être acheté. C'est une initiative, c'est la solution du gouvernement libéral qui nous démontre sa façon de vouloir gouverner à l'intérieur du Canada. Et là, il parle des deux bords de la bouche. Il essaie de faire croire d'un côté qu'il est vert, qu'il est vertueux, puis de l'autre côté, qui veut développer les ressources énergétiques, nos ressources naturelles dans le pays. Mmh. Et c'est ce qui crée ce conflit-là. Il a divisé la population canadienne au lieu de, par son leadership, de nous rassembler. Oui. Mais il y a beaucoup qui ne contrôlait pas quand même. On peut pas blâmer Justin Trudeau pour la situation politique unique qui s'est produite en Colombie-Britannique où, finalement, le Parti vert avec 3 sièges détient la balance du pouvoir puis fait chanter le gouvernement. Ça, c'est le résultat d'une élection dans une province qui a tout fait chambouler, mais c'est pas de la faute à Justin Trudeau. Lui, il est pris avec ça comme problème politique, là. Bien, je suis pas d'accord nécessairement avec cette analyse-là. Je dirais que si on regarde ça en date d'aujourd'hui, on peut se dire que c'est peut-être la solution que lui a trouvée. Moi, je pense qu'il y en a d'autres solutions. Mais si au départ, Justin Trudeau, il y a 2 ans, en 2015, lors de l'élection, avait envoyé un message clair, aurait expliqué avec toute honnêteté à la population canadienne que le secteur énergétique est un secteur important, c'est un secteur créateur d'emplois, le privé est prêt à s'impliquer dans ce secteur-là. C'est un secteur, en ce moment-là, qui représente plus de 10 % du PIB. C'est plus de 20 milliards, le bon chiffre, 20 milliards d'argent chaque année qui est généré par ce secteur-là, qui a des répercussions partout au Canada, là, pas juste en Alberta. On le voit dans les calculs de péréquation au Québec pour nos services. Et là, à chaque fois qu'il y avait un message qu'on devait envoyer au secteur privé, à l'ensemble du monde qui veut venir investir au Canada,
que le terrain est propice pour les investissements dans notre pays. Bien, Justin Trudeau a toujours voté contre en Chambre, a toujours eu un double discours sur le terrain. Et là, bon, on est rendu avec ce résultat-là aujourd'hui, qui est catastrophique pour notre économie. Parce que je tiens à le dire, il n'y a rien qui garantit demain matin que ce projet-là va se réaliser. Les contestations vont être encore là. On n'est pas sorti de la crise. Le message, la chicane entre les deux provinces est toujours présent. Le premier ministre de la Colombie-Britannique a dit qu'elle allait continuer à se battre contre ce projet de loi-là. Puis je peux vous assurer, les groupes environnementalistes vont continuer à faire leur travail de terrain pour nuire au projet. M. Reyes, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée. Reyes, du Parti conservateur. Et tout de suite, on va aller à Marianne sur le même sujet.